Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Hello. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo tuto. C'est un tuto que vous m'aviez demandé quand j'avais fait un colo dans le Mystère Princesse. C'était un colo de Pocahontas, j'ai un peu traîné pour vous le faire, mais il arrive, le voilà, il est là. Donc du coup, voilà, vous m'aviez demandé un tuto pour faire cet effet-là. J'ai imprimé un colo sur internet, il est vraiment pas de bonne qualité, mais bon. Voilà, on voit là tout des taches, enfin bref, c'est pas, je me dis c'est pas grave. Au moins la chevelure est assez grande pour que je puisse vous montrer le principe. Donc voilà, après le colo, je pense que je ne le finirai pas. C'est vraiment pour vous montrer. Mais voilà, comme promis, du coup, je vous fais le tuto pour faire les cheveux juste ici. Et puis bah voilà, bah, du coup, c'est parti. Je vais prendre le colo et vous zoomer pour que vous puissiez bien voir le pas à pas. A tout de suite. Et re. Donc du coup, pour faire ce type de cheveux, il vous faut du coup, enfin moi c'est au Prismacolor, mais après vous pourrez prendre dans d'autres gammes des couleurs qui s'en rapprochent. Du coup, bah, le 930, l'état de mes crayons c'est déplorable, enfin là, ouais, on va pas se focaliser là-dessus. Du coup, c'est le 935, même si là, voilà, j'ai la ref là, donc 935, donc un noir, tout bête. Après le 1067, donc là on est sur un gris plutôt foncé. Ensuite le 901, donc là c'est un bleu indigo, donc qui est plutôt foncé aussi. Après je pense que dans d'autres gammes comme les Brut Funeur, enfin ces couleurs-là vous les retrouverez forcément. Donc voilà, c'est un tuto que vous pourrez réaliser avec les Prisma, mais aussi avec d'autres gammes. Et après le dernier crayon, donc le 938 qui commence à faire pitié. Voilà, en fait j'ai la peinture là du crayon qui s'enlève parce que du coup c'était une astuce que j'avais vu passer pour rallonger les crayons, du coup de mettre du scotch. Sauf que bah, y a des fois le scotch il tient plus, ou en tout cas il se coupe, et du coup bah, je l'enlève et j'en remets, et voilà le résultat. C'est dégueu qu'on se le dise, mais bon, au moins voilà, ça fonctionne, ça remplit son but, enfin on s'est compris. Bref, on va commencer du coup. Donc 935, on commence par le noir et on va commencer par les extrémités. Donc du coup, truc que j'ai pas précisé, toujours bien tailler vos crayons, faut qu'ils soient quand même suffisamment bien aiguisés pour avoir le rendu le plus naturel possible, on va dire. Donc bah, c'est parti, du coup, comme je vous ai dit, on prend le noir et en fait on va commencer par les extrémités. Alors je sais pas si si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, j'avais déjà fait un tuto pour des cheveux, donc ça sera exactement le même principe, sauf que bah là on est sur un tuto cheveux noirs, parce que je sais que, enfin voilà, j'ai eu vos retours et c'est vrai que c'est pas facile à appréhender et avoir un effet dans les cheveux, donc voilà, mais c'est exactement le même principe, il n'y a rien de nouveau, c'est simplement le choix des couleurs et à quel moment les mettre ou pas. Donc bah du coup je pense que pour vous montrer je vais peut-être pas tout faire, toute la chevelure, je vais faire cette partie là pour vous montrer comment je fais. Après là les traits sont quand même bien épais, donc je vais voir le résultat, mais je pense qu'on va réussir à les cacher quand même. Donc là vous faites des traits, donc, on part de l'extrémité là, on descend et comme je vous ai déjà dit, on suit vraiment le sens de la ligne qui est juste ici. Donc voilà, là vous avez le trait qui descend comme ça, un peu en arrondi. Vous essayez de le suivre et de rester parallèle à ce trait-là. Ne pas partir par exemple plus vers là-bas en fait. Parce que du coup votre rendu sera pas joli. Donc là on descend quand même assez bas. Parce que du coup, bah, comme vous avez vu, on n'a pas beaucoup de couleurs. Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on veut vraiment des cheveux noirs, mais avec un reflet bleu. Je suis désolée, j'ai mes bracelets qui font du bruit. J'espère que ça fera pas trop, ça sera pas trop chiant. Donc là, on descend. Du coup, là, enfin, perso, j'appuie pas trop. Un petit peu, mais pas trop, parce qu'en fait, on va repasser juste après. Donc là, pareil, je repars du bas. Comme je vous ai dit, on suit vraiment la ligne. Donc là, vu que je suis au bout des cheveux,
je vais pas laisser une zone parce que du coup là on va à peu près à la moitié des cheveux là, vu que je suis enfin comment expliquer. Je suis pas forte pour les tutos écrits, du coup c'est mieux parce que j'ai le temps de réfléchir pour trouver les termes. Du coup, ouais, comme on est au bout des cheveux là, on va, enfin, dans la réalité, on va se dire qu'il n'y a pas de reflet à ce niveau-là, puisque voilà, il y aurait l'ombre de son bras qui empêcherait d'avoir des reflets dans ses cheveux. C'est pas trop, ouais, je pense que là on est sur une bonne explication. Voilà, hop, alors du coup, donc pareil, on part toujours de la racine pour aller vers le milieu, parce qu'en fait, si vous faites l'inverse. Au moment où vous partez de la racine, vous appuyez sur votre crayon. Du coup, le trait n'est pas très fin. Que là, quand vous arrivez hop, à l'autre bout, là, vous levez votre crayon et du coup, le trait est plus fin, ce qui vous fera un plus beau rendu. Hop. Donc là, pareil sur la mèche. Là, on va redescendre un petit peu parce que... Et par contre, ouais, au niveau des cheveux, je fais jamais trop de reflets sur les extrémités, là, en fait. J'essaye toujours d'aller... de faire les reflets au milieu, en fait. Je sais pas si c'est le mieux, mais... Là, par exemple, on voit du coup que ça fait une mèche qui part, donc du coup, je mets du noir au niveau du trait. Hop. Bon, le premier passage, il fait toujours un peu brouillon. Hein. C'est jamais, jamais le top. Comme je vous avais dit dans le tuto cheveux, évitez d'avoir des, enfin voilà, de faire des traits de la même taille. Toujours avoir un peu un effet, voilà, en avoir un plus grand que l'autre. Voilà, que ça soit pas tout net. Voilà. Du coup, on va passer à la couleur suivante. Donc le 1067, du coup, bah pareil, faut qu'il soit bien taillé. De toute manière, tous les crayons au niveau tuto cheveux, enfin au niveau 1, 2, 3, effet cheveux, faut toujours que vos crayons soient bien taillés pour avoir le rendu le plus beau possible, enfin le plus réaliste possible. Donc là, moi, le 1067, je repars de la base et en fait, ça... Après, je sais pas hein, si c'est indispensable cette étape, mais moi je trouve qu'en fait ça permet un peu de rallonger les pigments du noir en fait. Enfin, d'avoir un effet blender et un peu de voilà, rallonger la matière du noir sans être. Je vais m'arrêter là. Ouais, non, vraiment, les tutos écrits. C'est quand même plus sympa pour moi parce que je trouve jamais mes mots en fait. Ça va le faire, on va y arriver. Hop. Tac. Hop, donc je vais un petit peu plus loin que le noir qu'on a mis juste avant. Pas trop non plus. Je garde toujours le sens des cheveux. Hop. Et là, par exemple, bah, tout à l'heure, j'ai laissé là une zone blanche. Du coup, bah, je suis maîtrise noire en fait. Là, on est vraiment. Le noir, c'est vraiment la base de là où je vais avoir de la lumière en fait. Donc là. Là, j'ai pas mis de noir, donc ces zones-là, en fait, il y aura plus de lumière. En fait, sur les racines, moi, je mets pas de zone de lumière. Je mets vraiment les zones de lumière toujours au milieu. Mais, enfin, voilà, après, je les mets au milieu parce que j'ai mis mes zones de noir du début des cheveux jusqu'à la moitié. Mais, je sais pas, si vous voulez des lumières uniquement à cet endroit-là, bah, il aurait fallu mettre des petits traits noirs ici et voilà, vos traits noirs partant du bas auraient été jusque là en fait. Mais voilà, moi je mets toujours les zones de lumière au milieu. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu plus réaliste. Donc après c'est comme vous le sentez. D'ailleurs aussi un point,
C'est que ce genre de cheveux, moi, je le fais pas sur les petits coloriages. Enfin, comment dire, les colos où le personnage est vraiment petit et que les cheveux sont, par exemple là, typiquement, là, j'aurais pas fait d'effet cheveux. En fait, là, ça serait un vrai colo. En fait, j'aurais fait tout noir. J'aurais vraiment colorié en noir basique, quoi. Enfin. J'aurais fait un aplat de couleurs en fait. Parce que cet effet-là, c'est. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas la patience, mais je trouve que c'est pas adapté pour des zones où les cheveux sont pas assez, assez imposants dans un colo. Donc voilà, je préfère vraiment garder cet effet-là pour des colos où le personnage est important et que la zone de cheveux est assez, assez grande en fait. Donc là, on va s'arrêter sur le 1067. Maintenant, on va prendre le 901, donc le bleu indigo. Et pareil, vous partez du haut et vous rejoignez le milieu. Donc là, on va plus... Là, on va aller dans la zone blanche. Mais on va laisser quand même des traits blancs au milieu. On ne veut pas recouvrir tout le blanc avec le bleu. Voilà, on fait juste des traits comme ça. Là, ça paraît dégueu. Enfin, encore une fois, hein, c'est ce genre d'effet. Il faut vraiment attendre la fin parce que tout du long, c'est quand même pas le top. Donc là, je laisse des zones blanches. Hop. Mais toujours, ouais, important, du début à la fin, suivez bien le sens des traits qui sont déjà tracés pour rester cohérent et avoir un rendu plus sympa. Ouais. Donc là, j'ai laissé un peu beaucoup de blanc. Je vais quand même mettre du bleu. Mais voilà, j'ai toujours des traits quand même. Hop. Donc là, je pense qu'on est pas mal au niveau du bleu. Voilà. Ensuite, je prends mon blanc. Donc le 938. Hop, je mets juste ma rallonge. Donc là, en fait, je vais passer sur le milieu. Et là, je passe sans trop appuyer. Je fais vraiment que des traits au niveau du milieu. Là, le but, en fait, c'est d'estomper un peu mon bleu. D'estomper mon bleu et aussi de ramener du bleu sur les zones blanches. Je sais pas si je suis claire, mais c'est pour avoir un effet un peu plus fondu, en fait. Je vais prendre mon colo. Vous voyez là, j'ai pas des traits bleus. J'ai pas des traits nets bleus ni des traits blancs qui sont nets. Ça fait un effet fondu en fait. Et le blanc là, mettre le blanc à cette étape là, c'est ce qui permet justement d'avoir cet effet fondu. Donc là, on voit que du coup, j'ai laissé beaucoup plus de traits blancs. Là, un petit peu moins. Donc, ça fera un effet reflet uniquement bleu. Et là, j'aurai un petit peu plus de reflet bleu-blanc. Donc, ça sera un petit peu plus clair à cet endroit-là. Hop. Par contre, le blanc, vous ne le mettez pas aux extrémités. C'est pas utile. Parce que justement, les extrémités des cheveux, là, à cet endroit-là et à cet endroit-là, on veut que ce soit sombre. Donc, on ne met pas de blanc. Le blanc, vraiment, uniquement pour le milieu. Là où vous avez mis le bleu, en fait. Hop. J'ai mon imprimante qui se réveille. Elle cherche à communiquer. Mais elle imprime. Elle est possédée. J'arrive. Elle est possédée, elle m'a imprimé Pocantas en rouge. Bref, je vais l'éteindre. Voilà. C'est pas vrai. Voilà. C'est bon, elle a fini.
du coup, reprenons. J'en étais où? Je sais même plus. Ouais, j'ai mis le blanc. D'ailleurs, il est là, mon crayon blanc. Du coup, j'ai mis du blanc. Maintenant, on repart sur du noir. Donc, retaillez bien votre crayon. Et là, on va intensifier en fait toutes les extrémités. Et je vais vous montrer, ce sera plus simple. Du coup, moi, ce que je fais là, en fait, c'est que je colorie. Donc, hop, je vous tourne. Je colorie comme ça, dans le sens des cheveux, pour pas trop avoir de démarcation. Donc là, pareil, puisqu'on a quand même le haut de l'épaule de Pocahontas qui est là. Hop, voilà. Et on repart sur un effet cheveux. Donc on insiste un peu plus sur le noir. Là, on voit que tout de suite, l'effet est plus présent. De repasser dessus. Donc là, pareil, sur... en fait, toutes les extrémités... Enfin, tout là où... Non, vraiment, trouver mes mots, c'est compliqué. Là, en fait, à chaque fois qu'il y a, un trait, je colorie toujours, comme je vous ai montré juste en haut, pour éviter d'avoir des démarcations et des traits qui ne seraient pas remplis et avoir un rendu un peu plus sympa. Donc là, je le fais moins épais, parce que du coup, j'ai mon effet bleu qui est juste en dessous. Là, pareil, je colorie. Donc là, je peux faire un peu plus épais. Et pareil... sur le bas du colo. Donc là, j'appuie sur mon crayon quand même, parce que là, en fait, ça m'intéresse pas d'avoir un effet cheveux sur les extrémités. Je veux vraiment avoir un effet cheveux noir très sombre. Donc c'est pas le but d'avoir des reflets bleus partout. Et je pense que c'est ça qui est pas évident à appréhender. Et c'est pour ça que vous me l'avez demandé, parce que c'est vrai que enfin, au début que j'en faisais... Non, mais je suis même pas cadrée. Voilà, désolée. Non, c'est vraiment le tuto du bonheur. Hein. Quand... Ouais, donc du coup, je disais, quand j'ai commencé les effets cheveux noirs, c'est soit, en fait, j'avais plus un effet gris, de cheveux grisonnants, qu'un effet cheveux noirs, ou alors j'avais pas du tout d'effet, et c'était noir, hein, mais... Il n'y avait pas d'effet, donc ouais, je peux comprendre du coup pourquoi vous m'avez demandé un tuto sur les cheveux noirs. C'est vrai que c'est pas évident. Du coup, bah là, je suis au niveau de mes reflets bleus, donc je ne dépasse pas trop, je vais pas trop les recouvrir. Donc j'essaye de m'arrêter juste avant. En gardant cet effet cheveux, donc on trace les cheveux par cheveux. Donc là, je veux, enfin, on voit un petit peu quand même une démarcation, donc j'insiste un peu plus à ce niveau-là pour pas avoir la démarcation de ce que j'ai colorié juste avant. J'ai dépassé. Hop, on reprend. Donc pareil, vous, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne pas faire des traits toujours de la même taille, sinon ça risque d'être pas très joli. Hop. Donc là, on voit que j'ai un petit peu trop appuyé quand même sur... C'est pas grave, on insiste un petit peu. Hop, un petit peu là. Donc là déjà on voit que quand même les cheveux ont évolué et que c'est déjà un petit peu moins brouillon que tout à l'heure. Le rendu est déjà un petit peu plus sympa. Après voilà, pour les personnes qui débutent, faut pas vous mettre la pression. Si le premier essai est pas concluant... C'est pas grave, hein, faut pas... Enfin, moi j'en ai fait des cheveux avant d'être satisfaite. Après je dis pas que j'ai la technique, mais faut pas désespérer en tout cas. Hop. Voilà.
Voilà, ensuite la mèche de cheveux. Là des fois, enfin il y a des moments où quand j'arrive sur le bleu, je mets un peu de noir mais j'appuie beaucoup moins. Ce qui fait que ça fera un effet comme là, je sais pas si vous voyez, du coup j'ai quand même des traits noirs, donc je repasse dessus mais j'appuie pas. J'appuie pas parce que je sais pas ce que je veux faire. Hop, voilà. Comme tout à l'heure, je reprends mon 1067. Là, on va pas trop insister. Je vais juste le tailler. Hop. Donc là, il va vraiment servir en fait le 1067 à blender votre noir. Donc en fait, je repasse sur le noir où les pigments du noir n'ont pas rempli, on va dire, tout le papier. Comme là, en fait. On voit que là, j'ai encore du blanc du papier. Donc là, voilà, il va vraiment servir à blender tout ça. Je crois que ce tuto... Je sais pas si vous entendez du coup les chiens. Je vais aller fermer la fenêtre. Il fait 30 degrés, donc j'avais ouvert en me disant ce serait toujours plus sympa d'avoir de l'air frais. Mais là, non. Je reviens, décidément. Ça veut pas, ça veut pas. Alors, du coup, j'en étais là, ouais. Donc, ouais, je vous disais, je blende du coup le noir avec le gris. Je remonte un petit peu, mais pas beaucoup comme le noir, au niveau de mes reflets bleus. Là, on est vraiment sur ouais, un effet blender en fait, pour avoir un effet quand même. Propre, parce que moi je sais que j'aime pas quand j'ai voilà des traits comme ça, que c'est pas uniforme et que les grains du papier ne sont pas complètement remplis. C'est quelque chose, enfin voilà, je préfère avoir tout, enfin que tout soit net en fait. Donc là pareil, vous remontez mais pas beaucoup, vous laissez toujours votre zone de bleu. Hop. Voilà, ensuite on reprend le bleu, pareil on le taille. Hop. Alors du coup là le bleu, sur les zones où vous avez quand même pas mal de blanc, vous allez repasser dessus quand même, parce qu'on veut pas de grosses zones. Ce que je fais c'est que voilà, je repasse pour la rétrécir. Je pense qu'avec... Le fait que vous me voyez faire, c'est peut-être plus clair que ce que je dis. Je suis pas du coup une pro des tutos. Hein. Je pense qu'il va me falloir un peu de temps avant que je sois à l'aise pour trouver mes mots à chaque fois. Mais voilà, là le bleu, vous repassez dessus, il n'y a pas de souci. Vous essayez quand même de laisser des petites zones blanches comme ça. Pas trop, il ne faut pas qu'elles soient très épaisses en fait. Hop. Là elle est un petit peu épaisse, mais ça va. Hop là, pareil. Ensuite, vous reprenez votre blanc. Là, on va du coup faire comme tout à l'heure. On va fondre le bleu. Là, du coup, j'ai laissé des traits un peu blancs juste ici. Donc, je repasse dessus pour bien les fondre. Et du coup, là, en fait, vous partez du milieu de votre effet de lumière et vous le remontez jusqu'en haut. Enfin... Oui, je pense que c'est suffisamment clair. C'est en fait le but, c'est de prendre vos pigments bleus
et blanc du coup, et vraiment de les remonter pour avoir du coup pour ramener vos pigments et avoir un effet un peu plus naturel, pas avoir une démarcation là vraiment. Enfin, je suis désolée hein, je suis sur un tuto vite fait, mais hop. Et sur la mèche. Du coup, j'ai chaud. Donc là, voilà. Quand c'est comme ça, souvent, bah, je prends un peu de recul sur mon colo. Et là, j'essaye de voir où ça pourrait être amélioré. Donc là, en fait, je vois que mon trait, c'est pas terrible. Donc du coup, je reprends mon noir, je le taille, je fais du bruit. Hop. Là, je vois, enfin, c'est pas très cohérent là, le trait là. Du coup, je vais le recouvrir parce que je me dis que c'est pas forcément utile. Hop. Et du coup, pareil, ouais, toujours bien taillé. Hop. Là, pareil, je trouve que du coup, je vais les faire, pas les faire se rejoindre, mais. Après aussi, ce que je fais pas mal, c'est peut-être bête, enfin, mais moi ça m'aide, c'est que quand je suis en train de colorier, ce que je fais, c'est que du coup, je, de temps en temps, enfin voilà, je colorie. Là par exemple, je vous aurais pas en tuto, je me serais arrêtée, j'aurais pris mon téléphone et j'aurais pris une photo de mon colo. Et en fait, enfin, c'est peut-être bête, mais le fait de le prendre en photo, ça me permet d'avoir une vue... de le voir un peu plus en hauteur et d'avoir un visuel de la totalité du colo, et du coup peut-être de m'apercevoir de certains détails que je vois pas parce que je suis tellement concentrée sur ma zone que je l'aurais pas vu en temps normal. Et du coup ouais, c'est quelque chose qui m'aide pas mal, que je fais. Bon bah, du coup ma galerie photo, faut que je fasse régulièrement des tris à l'intérieur parce que c'est blindé de coloriage, mais ouais, en une soirée facile, je prends à peu près une quinzaine de photos de mon colo parce que ça me permet vraiment de... Bah, en fait, je pense tout simplement ça me permet de prendre du recul. Donc là, je blablate, mais je vous explique pas ce que je fais. Là, vu que mon crayon est bien taillé, je fais des petites retouches pour avoir un effet un petit peu plus naturel. J'appuie pas beaucoup sur le crayon puisque du coup, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas recouvrir notre effet bleu, juste le l'affiner, on va dire. Donc comme là j'ai beaucoup de bleu, ça me fait un grand trait, donc je l'affine un petit peu. Donc là ouais, c'est vraiment du travail d'affinage. Hein. J'appuie pas beaucoup parce que je veux pas recouvrir et je veux juste affiner. Bah là j'ai une grosse zone blanche qui est pas très, c'est pas le top, donc du coup je reprends mon bleu. Hop. Je reprends mon bleu, je blende un peu le tout, j'appuie pas là, quasiment pas. Là vraiment en fait à la fin c'est vraiment du on, voilà on,
on fignole un peu le résultat et j'appuie pas beaucoup et c'est vraiment pour voilà, j'y vais par petite, j'y vais par étapes, j'appuie pas trop sur le crayon et voilà et on... ouais, je sais pas ce que je voulais dire. Du coup, ouais, non, par étapes, ne pas appuyer sur le crayon quand vous êtes à la fin, parce que voilà, on veut juste, enfin, affiner le résultat, affiner vos cheveux, avoir des mèches plus fines. Donc voilà, on y va par petits bouts, sans appuyer. Et par contre, quand vous êtes à la fin comme ça, ne prenez pas du noir. Si vous prenez du noir, là, y allez, allez-y, mais vraiment doucement, parce que je sais que moi, combien de fois, du coup, je me suis retrouvée à vouloir remettre du noir et en fait, j'ai tout planté parce que bah, j'avais mis trop de noir et que du coup, j'avais plus cet effet et j'avais plus cet effet de lumière. Donc vraiment, quand vous êtes à la fin comme ça, si vous voulez remettre du noir, n'appuyez pas parce que voilà, je me suis déjà fait avoir, je me suis déjà énervée sur un colo comme ça et du coup, voilà, vraiment, allez-y par étapes. Pas vouloir aller trop vite. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à prendre du recul parce qu'en fait, des fois, on est tellement focalisé sur notre bout qu'on se rend pas compte de, enfin, voilà, des erreurs qu'on peut commettre. Donc des fois, voilà, s'arrêter 2 secondes, limite le prendre en photo avec votre téléphone. Et au moins, ça vous permet de prendre du recul et de le voir autrement, votre colo. En tout cas, moi, je sais que enfin, tous les jours, à chaque fois que je colorie, c'est ce que je fais. Hop là, je remets un petit peu de bleu. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal. Ouais, on n'est pas trop mal. Puis finalement, bah, les traits, on a réussi quand même à les cacher. Donc, mais je ne finirai pas ce coloriage. J'ai pas trop... Non. Autant, il y a des sites qui proposent des coloriages de qualité. Mais là... Niveau pixel, on est plutôt servi, je trouve. Bon, bah voilà, je pense que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Là, peut-être encore des zones de blanc à masquer un petit peu. Bah voilà. Là aussi, ce que vous pouvez faire encore pour un peu plus de réalisme, c'est refaire des, enfin, comme des petits cheveux, quoi. Ouais, c'est pas terrible. J'ai voulu faire un test, mais bon. Après aussi, ce que vous pouvez, mais ça, moi, pareil, je le fais jamais. Enfin, c'est ouais, partir. J'essaye. Je fais des tests. De toute manière, il est à la poubelle, donc faire de continuer comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que je fais en fait. Et souvent, je le fais sur un colo, mon test. Je me dis pas, tiens, je vais essayer sur une feuille à part. Et du coup, c'est là que je m'énerve et puis voilà. Donc, ne faites pas comme moi. Ne faites pas directement de test sur votre coloriage. Testez. L'image de cheveux, ça parle un peu comme. Oui, bon. Peut-être à travailler. Après, là, ma mine, elle est pas assez. Elle est pas assez fine, je pense. Ouais, enfin, non, vous arrêtez pas là-dessus. Faites pas ça parce que. On dirait une queue de rat. Donc, non, on va. Voilà, faites comme ça. Bah, on verra peut-être plus tard pour ça. Peut-être que, ouais. Après, je pense que, ouais, y a peut-être un truc, mais. On verra. Ouais, je réessayerai peut-être. Bref, voilà. C'était le test du jour. Du coup, bah voilà, on est. Je pense qu'on est pas mal niveau effet cheveux noirs. Je vous dézoome. Et comme ça, vous pourrez voir le résultat avec le colo en entier. Et voilà le résultat, du coup, en mode dézoomé. Donc, bah, comme je vous disais, là, on a une vue d'ensemble, donc sur tout le colo, ce qui permet d'avoir
d'avoir un peu de recul et puis bah, de voir que le résultat est, voilà, est quand même assez... Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que ça, c'est plutôt réaliste. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Après, comme je vous dis toujours, hein, c'est pas la technique à suivre, c'est juste ma technique. C'est voilà, la façon, la manière que je vais vraiment pas y arriver. C'est la méthode que j'utilise en tout cas pour faire mes cheveux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, si vous avez des suggestions pour d'autres tutos, faut pas hésiter à me demander puisque voilà, enfin. La plupart du temps, quand vous me demandez, j'essaye toujours de le faire. Des fois, je mets un peu de temps, mais voilà. Mais au moins, j'essaye de le faire et de vous proposer un maximum de tutos. Donc, faut pas hésiter à me demander. Et sinon, bah voilà, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Je vais vite aller ouvrir ma fenêtre parce que là, j'ai très chaud. Et j'espère que le prochain tuto sera moins rempli en péripéties, qu'il sera plus calme. Et voilà. Bon bah je vous souhaite de bons colos.